Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assoit? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur. Je suis dans la joie d'être encore avec vous ce matin. Si Dieu voulant, nous pourrons quitter le territoire demain. Mais j'aimerais partager quelques paroles encore avec vous ce matin. Amen. Amen. Je voulais savoir s'il y a des ministres de la réconciliation dans la salle. Amen. S'ils sont là, ils vont élever leur main. Est-ce qu'il y a ceux qui ont l'évangile de la réconciliation avec eux? Amen. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs et ambassadrices de Christ ici? Amen. Ah, je ne vous sens pas, je ne crois pas. Apparemment, tu ne crois pas ça. Est-ce que tu es ambassadrice ou ambassadeur de Christ? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons poursuivre avec l'enseignement sur la mission. Je bénis le Seigneur. Les mêmes pensées que l'homme de Dieu a eues, nous n'avons pas discuté ce matin. Mais pendant que nous venons, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, il est vraiment temps de se lever, parce que Jésus revient très bientôt. Il est temps de prendre conscience, parce que Christ revient très bientôt. Amen. Et nous allons poursuivre toujours avec le même texte de base que nous avons pu exploiter dimanche passé sur 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au verset 21, et le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Mais je vais plutôt lire Matthieu 28, verset 19. Le thème de ce matin, ou le sous-titre de ce matin, nous voulons parler les 10 traits de caractère à développer dans la vie d'un missionnaire. Les 10 traits de caractère à développer dans la vie d'un missionnaire. Amen. Les 10 traits de caractère, j'ai sélectionné 10, mais il peut en avoir plusieurs. Vous pouvez encore ajouter, mais le Seigneur a mis à cœur de vous parler des 10 traits de caractère à développer dans la vie d'un missionnaire. Nous relisons nos textes de base de Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est désespéré ce matin, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui n'a plus d'espoir, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est bouleversé, que Christ est avec toi. Nous avons chanté, nous avons commencé ce culte avec un cantique d'Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et Jésus nous donne une promesse, il dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin pour lui dire, Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation, peu importe l'épreuve que tu endures, tu n'es pas seul. Même lorsque tu marches dans la vallée de la mort, comme a dit David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Sois reconforté ce matin. Parce que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Et ce qu'il a prévu faire avec toi, il le fera avec toi. Si peut-être tu es démissionnaire de lui, mais si tu continues à t'engager pour Dieu, Dieu accomplira ce qu'il a prévu avec toi. Parce que la Bible dit, il a pour nous un projet de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as un avenir avec Dieu. L'avenir, ce n'est pas seulement voyager, aller aux États-Unis. L'avenir, ça n'est pas seulement travailler dans les grandes entreprises. Mais le plus grand avenir que nous avons avec Dieu, c'est hériter le royaume de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui est suprême, qui dépasse toute chose. L'avenir suprême avec Dieu, c'est le royaume. Nous ne sommes pas réunis en ces lieux pour être des chefs d'entreprise. C'est bien. C'est une opportunité que Dieu peut créer. Mais nous sommes réunis en ces lieux au nom de Jésus. Pas seulement au nom de Jésus, c'est parce que nous devons hériter le royaume.
C'est pour ça que Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons parler des 10 traits de caractère à développer dans la vie d'un missionnaire. Dieu désire que nous puissions être des missionnaires, mais un missionnaire doit avoir un caractère, un comportement. Un homme a dit, les habitudes créent en nous un caractère. Et le caractère crée en nous notre destinée. Par rapport à ton caractère, on peut savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Le caractère, c'est l'ensemble des habitudes qui caractérisent ta personne. Si aujourd'hui on peut dire c'est une femme de caractère, ça veut dire qu'elle est très Dieu. C'est par rapport aux habitudes, par rapport aux actes. C'est par rapport à ce qu'elle pose tous les jours qui détermine ce qu'elle est. Si on dit que cette femme, elle est peut-être mauvaise, c'est juste par rapport aux actes qu'elle a posés. Si on dit cet homme est gentil, cet homme est bon, c'est par rapport à son caractère. En tant que missionnaire que nous sommes, nous avons un caractère que nous devons afficher. Nous avons un comportement que nous devons afficher. Nous avons un style de vie par lequel Dieu nous attend, des standards qu'il a placés par lesquels nous devons marcher pour pouvoir influencer le monde, manifester la gloire de Dieu sur la terre. Quelqu'un me saisit ? Amen. 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 Je sais que le Seigneur a donné à cette église une vision missionnaire. Et cette vision missionnaire ne peut pas se réaliser sans les hommes. Parce que la mission, quand on parle de la mission, la Bible nous parle d'un fil à trois cordes. Un fil à trois cordes qui ne peut pas se rompre facilement. Dans les trois cordes, nous avons premièrement Dieu. Deuxièmement, nous avons les hommes. Troisièmement, nous avons de l'argent. Les trois choses partent ensemble pour réaliser la mission. Jésus, quand il est venu sur la terre en tant que missionnaire, il avait l'onction de Dieu avec lui. Il avait aussi des hommes qui l'ont accompagné. Et pas seulement ça, il y avait des femmes et des hommes qui mettaient leur argent pour accomplir la mission. Amen. Ça va ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un me saisit ? Amen. Dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Gloire à Dieu. Alors, parmi les 10 traits de caractère, premièrement, le premier trait de caractère que nous voulons aborder ce matin, c'est vivre une vie sanctifiée. En tant que missionnaires que nous sommes, premier trait de caractère que nous devons avoir tous les jours, c'est vivre une vie sanctifiée. Nous pouvons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 8. Vivre une vie sanctifiée. Nous devons nous sanctifier parce que Dieu veut notre sanctification. Nous allons lire un texte, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 au verset 8, rapidement. Je vais lire les textes qui sont très importants. Amen. Amen. Le verset 3, la Bible dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Amen. Nous voyons dans ce texte, ici c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniques. Il prouve davantage un premier caractère que nous devons tous les jours manifester, qu'on appelle vivre une vie de sainteté, la sanctification. La Bible dit ici que Dieu, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour chaque personne ici présente, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est en priorité de toutes tes priorités. La Bible dit que celui qui vous appelait est saint. Vous aussi soyez saint. La sanctification, être saint pour Dieu. Nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons dans une génération perverse et corrompue. Mais Dieu désire que nous vivions la sanctification. Et quand je parle de la sanctification, je vois la sanctification à trois niveaux. Parce que si Dieu parle à l'homme, l'homme est séparé en trois parties. Notamment notre âme, notre corps et notre esprit. C'est pas ça? Amen. C'est-à-dire que la sanctification de Dieu n'épargne pas l'âme. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La sanctification de Dieu n'épargne pas le corps. La sanctification de Dieu n'épargne pas notre esprit, à part le Saint-Esprit. Notre esprit. La première dimension, c'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos pensées, de nos sentiments.
Dieu désire que nos sentiments soient des sentiments qui donnent gloire à Dieu. Le siège de nos pensées, nous devons avoir la sanctification dans notre âme. Qu'est-ce que nous pensons? La Bible dit tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Mais dans nos pensées, nous avons des mauvaises pensées. Des pensées de jalousie, des pensées d'hypocrisie. Nous avons des mauvaises pensées, des pensées de haine à l'égard de nos frères et sœurs, même dans le milieu de l'assemblée. Mais nous sommes missionnaires de Dieu. Nos pensées, qu'est-ce que nous pensons? Parfois tu es là devant, la Bible dit, Jésus a dit, quelqu'un seulement de pouvoir convoiter. Donc tu, dans tes pensées, tu convoites une femme, tu commets avec elle l'adultère. Tu n'as pas besoin d'aller à l'acte, mais seulement le fait de penser. Qu'est-ce que nous pensons pour l'Église, pour nos frères, pour nos parents? Deuxième dimension, la sanctification de notre corps. Il dit que chacun de vous sache comment posséder son corps. Notre corps n'est pas le temple de l'impudicité. Notre corps n'est pas le temple du vol. Notre corps n'est pas le temple davantage d'exposition. Ton corps est le temple de Dieu. Nous devons posséder notre corps saint pour Dieu. Malgré que, peut-être pour certains pourront dire, c'est difficile, c'est pas facile. Mais bien aimé, efforçons-nous comme dit Paul. Je traite durement mon corps. C'est pas facile, oui. Mais c'est important parce que c'est un ordre que nous recevons de Dieu. Nous sommes obligés de nous efforcer à appliquer la parole de Dieu. Notre corps, il y a beaucoup de choses à dire pour notre corps. Amen. Amen. Alléluia. Notre esprit, notre propre esprit, nous devons le maintenir sain pour Dieu. Mais comment nous souillons notre esprit? C'est en consultant les marabouts, en consultant les astrologues, l'astrologie. C'est fréquent ici en France, c'est fréquent même en Afrique. Pour connaître sa journée, on est obligé de voir les signes astrologiques. Non, on dit, bon, je suis Gémeaux, je suis Poisson. La Bible dit, le jour de la création, Dieu a créé l'homme à son image. Il a mené d'abord les poissons, il a mené les animaux auprès de l'homme. Il n'a pas dit que l'homme... dit, il n'a vu personne qui était semblable à lui. Maintenant, comment toi tu peux dire que tu es poisson? Non, je n'ai pas encore compris. Quelqu'un me dit qu'il est scorpion. Alors je me dis, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cet homme-là a commencé à nommer. Ah, alléluia. A commencé à donner les noms aux animaux. Et aujourd'hui, on me dit non, je suis poisson, je suis... Non, bien-aimé, ne te trompe pas, tu es la représentation de Dieu sur la terre. Yes. Alléluia. Amen. Je me ouvre une page pour certaines sœurs, pour certains frères qui vont bientôt se marier ou bien qui veulent s'engager pour le mariage. Sache-le, avant que Dieu envoie la personne qui est semblable à toi, Dieu amènera d'abord dans ta vie les animaux. Yes. Amen. Il faut que tu passes d'abord l'étape, avant les fiançailles, l'étape de nomination. Mets le temps de nommer le frère. Mets le temps d'abord de nommer, est-ce que c'est un chimpanzé? Est-ce que c'est un girafe? Est-ce que c'est un chimpanzé? Il sera d'abord âme, il ne sera pas statique dans le foyer. Peut-être c'est un lion qui va te taper un jour. Prends le temps de nommer. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu avais nommé? Alléluia. Parce que quand tu auras fini de nommer, alors Dieu dira, bon, je n'ai trouvé personne de semblable. Alors il va envoyer, il dit d'abord l'os de tes os, la chair de ma chair. Il commence par l'os, là où il y a des valeurs, quelque chose qui est caché. Ah. Amen. Amen. La sanctification dans l'esprit. Quand nous consultons les 10 heures de Bonaventure, quand nous lisons des livres pharmaceutiques, les francs-maçons, des livres magiques, c'est notre esprit que nous voulons faire en contact avec d'autres esprits. Et la Bible dit qu'on trouve chez toi personne qui pratique ces choses. Amen. Amen. Un missionnaire doit être tous les jours sanctifié. Parce que la sanctification attire la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Amen. Deuxième trait de caractère que nous devons développer tous les jours de nos vies, c'est de dépendre de la puissance de l'Esprit de Dieu. Un missionnaire doit dépendre de la puissance de l'Esprit de Dieu.
C'est un caractère que nous devons avoir tous les jours de notre vie. Dépend de la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 et Actes des Apôtres 1er, verset 8. Éphésiens 4, verset 30, Actes des Apôtres 1er, verset 8. Actes 1, 8 dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Vous allez remarquer, si les apôtres, aujourd'hui on parle des actes des apôtres, ça veut dire que la vie des apôtres, les actes qu'ils ont posés, on n'a pas dit, mais ce n'est pas encore fini les actes, parce que tous, nous sommes des envoyés de Dieu, des missionnaires, donc on doit continuer à écrire des actes. Mais ce qui dépendait, ce qui était efficace pour les apôtres, c'est qu'ils marchaient, pas selon eux, mais selon le Saint-Esprit. Ils dépendaient du Saint-Esprit comme l'image du peuple d'Israël dans le désert. Ils ne pouvaient pas lever le camp du temple, du tabernacle, tant qu'il y a un signe. Tant que la nuée se déplace ou la colonne de feu. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils dépendaient de ça. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de nuée ni de colonne de feu, mais nous avons le Saint-Esprit. Et nous devons dépendre du Saint-Esprit en tout et pour tout. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Pourquoi? Premièrement, parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Quand le Saint-Esprit, lui qui connaît les profondeurs de Dieu, il va nous révéler le secret de Dieu. Deuxièmement, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. Il nous avertit des dangers. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. L'Église doit dépendre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église est en train de faillir, ou l'Église corde, quelque part, faillit, ou les chrétiens, ou les disciples, sont en train de faillir parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Jésus va dire devant Pierre, quand il va poser qui je suis, les apôtres, certains vont dire tu es Jean-Baptiste, ceci, Pierre va dire, non, tu es le Christ. Mais Jésus va lui donner une bonne réponse. Il va dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, le Père révèle les choses par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, à part le Saint-Esprit, il y a un certain nombre de choses qui se révèlent dans l'Église, qui conduit l'Église, qui amène l'Église à l'occultisme, dans le péché. Ça veut dire que c'est la chair et le sang qui dirigent, qui est la volonté des hommes. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit n'est plus... ne oriente plus l'Église, c'est l'homme qui oriente l'Église. C'est pour cela que nous avons besoin, à tous les niveaux que ce soit, homme de Dieu, pasteur, disciple, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. De toujours dire, Seigneur, apprends-moi. Seigneur, que dis-tu? Saint-Esprit, mon compagnon, est-ce que je dois le faire ou pas? Même Paul pouvait se rendre dans les missions, mais le Saint-Esprit ne lui a pas permis. Il voulait bien. Et lorsque nous ferons des choses selon le Saint-Esprit, nous allons faire des grandes choses que le monde sera marqué parce que nous ferons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, dépends du Saint-Esprit. Apprends, Seigneur, apprends-nous à dépendre de ton esprit. C'est un trait de caractère que nous devons avoir. Parce que dans l'esprit, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons dire. Nous avons le discernement, nous avons la sagesse, nous avons la foi, il y a les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé dans la foi, apprends à dépendre du Saint-Esprit. Tu veux voir la gloire de Dieu, dépends du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un trait de caractère que nous devons avoir, surtout pour les responsables, pour tout le monde, homme de Dieu. On peut t'inviter partout, mais l'Esprit ne te permet pas d'aller. Appelle, dis, je n'irai pas, je ne peux pas être là, je ne peux pas le faire. C'est parce que je suis appelé, je suis apte. Mais le Seigneur ne le permet pas. Il est arrivé une fois, on m'a invité pour aller intervenir quelque part. J'ai dit à l'homme de Dieu, je suis désolé. Le Seigneur m'a dit, rien dit de venir faire. Donc je ne pourrais pas venir. Mais tout le monde attendait. J'ai dit, non, non, s'il vous plaît, je vous aime tellement. Mais moi, on ne m'a rien dit. Parce que la Bible dit, il envoie son serviteur. Son serviteur dit ses voix. Et Dieu donne l'onction sur mes yeux. Yes. Il faut que le serviteur dise les voix de Dieu pour que le peuple entende la voix de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Yes. Elles me connaissent. Parce que dans la bergerie, il y a le berger, il y a aussi des mercenaires. Donc, ils doivent entendre la voix et discerner
La Bible dit, elles me connaissent et elles me suivent. Yes. Et après, l'onction vient après. Mais quand on commence par l'onction, après la parole, c'est des faussetés. L'onction, c'est après, bien aimé. D'abord la parole. Yes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Troisième type, troisième cas développement ou caractère que nous devons développer. J'aurai besoin du temps. Hein. Amen. Troisième, ce que nous devons développer caractère, c'est développer une vie de prière efficace. Une vie de prière efficace, une vie de prière efficace. Nous devons développer une vie de prière efficace. Luc chapitre 1er verset 1er au verset 8. Nous pouvons prendre ce texte, Luc 18, du 1er verset au verset 8, ou 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Luc 1er verset 1 à 8 dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, verset 1er au verset 18. Luc 18, verset 1er au verset 8. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il fallait toujours prier. Amen. Nous devons prier. Jésus a passé du temps pour prier. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas des copies-collées des phrases des uns des autres. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est un dialogue que tu as avec Dieu. Ce n'est pas des copies-collées. C'est vrai que nous avons des standards dans notre prière. Mais la prière, ce n'est pas des signes, ce n'est pas des formules magiques. Amen. Amen. Mais c'est notre expression auprès de Dieu. Comment notre vie de prière peut être efficace? C'est quand nous associons dans notre prière l'adoration. C'est-à-dire lorsque nous réalisons que notre vie est une offrande pour Dieu. Amen. C'est alors que Dieu peut se révéler davantage dans notre personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient, qui pensent qu'ils viennent, Seigneur, nous te rendons grâce. Et demain, nous sommes dans le péché. Ils ne réalisent pas ce Dieu. Ils ne réalisent pas la splendeur, la gloire de ce Dieu. Mais c'est quelqu'un qui se met dans la vie de prière. Avant qu'il parle à ce Dieu, il connaît ce Dieu. Il connaît qui il est. Il connaît ses points forts. Il connaît sa puissance. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu avec négligence. Comme il y a eu dans la Bible deux personnes qui sont approchées pour prier. L'un a commencé à dire, Seigneur, je jeûne deux fois. Je fais ceci. Mais l'autre a dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne suis pas digne. Il a réalisé d'abord la grandeur de Dieu face à lui. Il s'est incliné et Dieu dit, parmi les deux, c'est l'autre. Sa prière sera exaucée. Alléluia. Nous ne devons pas nous habituer à nous approcher de Dieu. Nous devons pas, c'est vrai que nous devons nous habituer à s'approcher dans sa présence, mais pas par habitude. Les gens aujourd'hui sont habitués, bon, Dieu, oh, c'est un collègue, oh, Dieu, Yaramasta, c'est seulement un ami. Non! C'est un Dieu fort et terrible qui peut te tuer en une seconde. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, quand tu sers Dieu, tu dois réaliser la splendeur de sa puissance. Et c'est ça qui rendra tes prières efficaces. Aujourd'hui, nous ne sommes pas efficaces dans nos prières, c'est parce que nous ne réalisons pas la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour lui-même? Amen. Comment notre vie de prière peut être efficace? À part l'adoration, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Je connais la faiblesse de Dieu. Si Dieu aujourd'hui m'a créé à son image, je suis un homme, j'ai des points faibles, et Dieu aussi n'a pas des points faibles. Bon, peut-être vous avez dit que tu es fou, mais je connais les points faibles de Dieu. Je vais te le donner. Vous connaissez c'est quoi? C'est sa parole. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Même les païens, quand ils accomplissent la parole de Dieu, Dieu les bénit, mais il ne leur donne pas le salut. Amen. Amen. Je vais t'expliquer. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, Corneille, cet homme-là, il donnait ses offrandes et il priait. Dieu le bénissait. Mais la Bible dit que ses prières sont montées vers Dieu. Mais Dieu avait compris que sa vie, ce n'est pas ça qui pouvait lui donner le salut.
Ok? Il a appliqué la parole, mais ce n'est pas ça le salut. Il fallait que Dieu puisse susciter un homme, Pierre, pour venir lui prêcher l'évangile. Et quand il a reçu Christ, sa vie a été transformée. C'est pour te dire, ce n'est pas les actes que tu fais religieux qui peuvent te sauver, mais c'est lorsque tu as Christ dans ton cœur, Christ dans ta vie, et il peut changer tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Même si tu peux faire monter tes prières, tes offrandes, c'est pas ça. Les magiciens, les pratiquants le font. Les francs-maçons le font. Ils font des actions humanitaires par-ci, par-là. Mais c'est pas ça. Mais ce qui peut être efficace, c'est d'abord la personne de Christ. Amen. Amen. La connaissance de la parole de Dieu. Dieu est faible de sa parole. Quand nous prions, rappelons à Dieu ses promesses. Rappelons à Dieu sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quatrième caractère que nous devons avoir en tant que missionnaires, parce que dans nos lieux de service, nous sommes missionnaires. Partout, nous sommes missionnaires. Quatrième caractère, c'est reconnaître la gloire de Dieu à tout moment. Reconnaître la gloire de Dieu à tout moment. Vous pouvez prendre le psaume 103, tout le chapitre. Nous devons apprendre à reconnaître la gloire de Dieu à tout moment. Ce n'est pas seulement quand ça marche. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Il reconnaît la splendeur de Dieu à chaque instant. Même quand il est faible. Même quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort. Même quand tu es dans le péché. Reconnais la gloire de Dieu. Reconnais ce Dieu-là. Reconnais la splendeur de Dieu. Amen. Nous devons le reconnaître à tout moment. Oh, qu'aujourd'hui, nous avons brisé certain nombre de choses. Nous reconnaissons la gloire de Dieu seulement quand tout marche. Quand tout marche, quand tout est là, quand tout roule dans les roulettes, comme les gens le disent, c'est bon, là, Dieu est bon. Mais quand on est abattu, désespéré, il y a des épreuves, parce que nous ne sommes pas épargnés des persécutions. Mm-hmm. Dieu, celui qui est à tes côtés, le fait que tu as accepté Christ, tu n'es plus épargné des persécutions. Dis-lui, peut-être qu'il n'a pas compris, dis-lui. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront... Donc, quand tu acceptes Christ, tu es appelé à être persécuté. Amen. Bon, peut-être on ne te l'a pas dit, mais moi je te donne maintenant la vérité. Parce que quand ça va arriver, oh non, moi on ne m'avait pas dit. Non, on te dit au moins. Parce que ça va arriver, tu n'es pas épargné. Même si tu vas avoir tes cartes de crédit spirituel pour être épargné de ça, non, ça va arriver. Amen. Tu sois pasteur, archi, tu seras persécuté. Amen. Bon, maintenant, quand tu n'es plus persécuté, revois ta vie. Amen. Ton attachement à Dieu dépend de la dimension de tes persécutions. Amen. Au fur et à mesure, tu manges avec Dieu. Au fur et à mesure, tes persécutions aussi augmentent. Tu deviens un danger pour l'ennemi. Alors, il ne va plus te laisser tranquille. Si l'ennemi te laisse tranquille, ça veut dire que quelque part, vous êtes ensemble. Là, ça veut dire que compromis. Amen. Amen. Nous devons reconnaître la gloire de Dieu à tout moment. Amen. Amen. Cinquième caractère que tu dois développer, parce que nous sommes une église missionnaire ou un missionnaire, c'est marcher par la foi. Pas par la vue, marcher par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous devons marcher par la foi, pas par rapport à ce que nous voyons, pas par rapport à ce que nous écoutons. Aujourd'hui, les hommes ou les chrétiens sont influencés par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils écoutent. Mais je sais, même si ce que j'écoute, mais ce que je vois, il est plus grand que ce que je vois, ce que j'entends, ce que j'écoute. Amen. Il est plus grand que cela. Nous devons marcher par la foi. Aujourd'hui, il y a un homme qui a épaté notre vie, de tout le monde, de l'histoire, il s'appelle Abraham. Abraham a eu la foi. Toi ou moi aujourd'hui, si nous croyons que Dieu peut nous guérir, c'est parce qu'on nous a parlé de la femme qui avait une perte de 12 ans. Amen. On nous a parlé de Bartimée, que Christ a guéri. C'est parce que nous, on nous a parlé de quelque chose. Vrai ou faux? Bon, lui, on ne lui avait pas parlé. Il s'appelle Abraham. Dieu lui dit seulement, prends ton fils, l'unique. Bon, même dans la difficulté, prends quand même ce regard-là. Tu vas le sacrifier. Jamais Dieu lui avait parlé, il peut ressusciter. Vous remarquez que là, jusqu'alors, Dieu n'avait pas encore ressuscité même un mort. Mais Abraham, qui avait la foi, arrive sur le mort. Il voulait tuer.
Il dit déjà en bas de la montagne, pendant que ses serviteurs lui disent, même son fils lui dit, ah, mais je vois le bois, je vois le feu, où est l'agneau? Il dit, l'Éternel va pourvoir. Il avait la foi sur la résurrection. Et lorsqu'il arrive, il veut quand même tuer, mais dans son cœur, il sait que Dieu va lui redonner. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, mon cher, Abraham n'avait pas, on n'avait jamais parlé, mais il avait cru. C'est pour dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore entendu parler, même si on ne t'a rien dit, mais la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sont vus. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'abord de voir pour croire, mais tu dois croire avant de voir. C'est alors, la Bible dit, que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir, il faut d'abord croire. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut d'abord Paul va dire, ou dans les livres de Hébreux, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'abord, la foi. Amen. Nous devons être des femmes et des hommes de foi. Même si ça ne marche pas, demain ça marchera. Même si on n'a pas de salle, on aura la salle. Les hommes de foi sont des hommes qui bouleversent la nation, qui bouleversent même le lieu de service. On dit, non, ce n'est pas possible. Dit, oh, mon Dieu est vivant. Alléluia. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils avaient la foi. On les voit le jeter dans la fournaise. Il dit, même dans la fournaise, notre Dieu va nous délivrer. Ils étaient des hommes de foi. J'aimerais simplement rallumer ta foi. Même si on a dit que ce n'est pas possible, même si c'est impossible, mais les hommes de foi marchent dans l'impossibilité. Parce qu'ils savent que l'impossibilité deviendra possible à cause de celui qui vit en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. De l'impossibilité à la possibilité. Les hommes de foi, quand c'est impossible, ils disent oui, c'est là où on veut voir Dieu. C'est ce terrain de l'impossibilité. Ils marchent avec l'impossibilité. Ils dorment avec l'impossibilité parce qu'ils savent. Ce sont des hommes spéciaux. Celui qui est en eux, il a déjà créé l'impossibilité. La nature l'a écouté. Il a calmé la tempête. C'est possible qu'avec toi, que tu fasses au-delà de ce que Dieu, même Jésus a fait. Jésus a dit, vous ferez plus grand que moi. Amen. Sixième caractère. C'est vrai que c'est cultiver sa fraîcheur spirituelle. Amen. Cultiver sa fraîcheur spirituelle. Un missionnaire doit cultiver sa fraîcheur spirituelle. Vous pouvez lire dans Exode 31, versets 15 à 17. Exode 31, versets 15 à 17. Ou Hébreux 4, de 9 à 11. Hébreux 4, de 9 à 11. Je reprends Exode 31, de 15 à 17. Hébreux 4, de 9 à 11. Cultiver sa fraîcheur spirituelle. Amen. Ici, nous sommes tous missionnaires. Vous remarquez dans le livre de Hébreux, on nous parle du repos. Un missionnaire, c'est celui qui travaille pour Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Mais il doit avoir des moments où il doit cultiver sa fraîcheur. Dans le monde de football, avant de pouvoir mettre un joueur, on regarde s'il est frais. Ok? S'il était malade, il y a des moments où lui permet de se reposer pour qu'il soit frère, qu'il soit en forme. On peut même l'épargner de certains types de matchs. Parce qu'exemple, s'il y a un match important, on ne peut pas le placer là, on lui met réserve, il va jouer après. Parce que le match important, là, il doit être en forme, frais, il doit se reposer. Amen. Et en tant que missionnaires que nous sommes, nous devons cultiver davantage le repos pour être frais. Une fraîcheur spirituelle. Ça veut dire quoi? Prendre du temps de te retirer du monde. Prendre du temps d'être seul avec Dieu. Jésus le faisait. Il laissait les disciples très tôt le matin. Il se retirait pour être lui-même pour prier, pour être restauré. Parce que tous les jours, il guérissait, il faisait. Mais avant ça, pour qu'il soit frais, très tôt le matin, il se retirait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les chrétiens, les prédicateurs, du 1er au 30, ils prêchent. Ils n'ont plus un temps où ils peuvent être seuls, calmes, pour cultiver une fraîcheur. Vous allez remarquer que Dieu renouvelait la manne tous les jours. Mais après, vous remarquerez, vous serez fatigué même de l'homme de Dieu, ou du pasteur ou des responsables. Vous l'écoutez tellement. Parce qu'il n'y a plus rien. Or, lorsqu'il développe la fraîcheur, et quand il se présente, vous vous sentez... Garoise, Allah l'agapi.
Il avait dormi où? Amen. Ce monsieur-là, c'est comme s'il y a quelque chose. Hier, ça veut dire qu'il est tellement frais. Et quand il est frais, il déverse quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau sur ta vie vient restaurer tout ce qui était mort pour restaurer ta vie et te permettre de vivre l'excellence avec Dieu. En tant que disciples, nous avons besoin de la fraîcheur. Nous avons besoin de nous ressourcer. De temps en temps, prends le temps pour aller en retraite. Prends le temps d'acheter même des livres, des hommes de Dieu, qu'on a des bons témoignages. Amen. Écoute, lis, prends le temps. Il m'arrive, par la grâce de Dieu, au mois de février, j'avais prêché le 31 décembre à l'église. Je suis resté 3 mois sans prêcher. Je n'avais rien à dire. Amen. J'avais rien à dire. 3 mois. J'ai dit, j'ai rien à dire. Je suis en train de prier. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un sur la prière. Si, on le fait. Mais c'est-à-dire, devant le peuple de Dieu, on n'a rien à dire. Mais lorsque le Seigneur a déversé, et quand on a dit, on a vu la gloire de Dieu. Prends le temps de cultiver la fraîcheur spirituelle. De lire d'autres livres chrétiens, d'acheter des livres, de prendre temps de prière personnelle. Il y a des moments où Dieu est obligé même par la maladie de te faire culturer la fraîcheur. Amen. Il peut utiliser la persécution, il peut utiliser quoi que ce soit, parce qu'il comprend que le gars là, il n'est plus frais. Bon, comme il est tellement têtu, je vais utiliser autre chose. Amen. Ah, si ça t'est jamais arrivé, moi déjà. On te dit que tu vas trop là. Non. Il te rend malade pour que tu restes là. Amen. Prends le temps d'être seul. Prends le temps de se retirer. C'est pour ça que l'église locale, nous devons avoir des moments de retraite spirituelle. Toute l'église. Même personnellement, prends le temps. J'étais hier bouleversé, j'étais dans la joie. On m'a dit qu'il y a une soeur qui avait fermé son téléphone. Elle dit qu'elle est en retraite spirituelle. J'ai dit, ah waouh! Ça, c'est bien ça. Vous voyez, non? C'est important. Quand elle sera au milieu de vous, elle va marquer la différence, elle va avancer. Bon, non, vous allez commencer à dire, eh non, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais toi, comme tu ne le cherches pas, tu ne trouves pas que Dieu n'est pas injuste. Mais l'autre est allé se sacrifier comme Anne. Je pense à l'époque de Anne, il y avait plusieurs stériles. Elle n'était pas l'unique. Mais elle a cherché un refuge. Elle est allée dans le temple. Elle s'est mise à prier. Personne n'était là, à part le sacrificateur. Mais elle a eu sa récompense dans le secret. Il y a des choses que ça ne se passera jamais à l'église pour que tu sois béni. Il y a des choses, c'est toi-même et ton Dieu dans le secret, dans un lieu d'intimité et Dieu va te restaurer. Il y a des messages que tu n'auras pas ici. Il y a des révélations que Dieu va commencer à te donner lorsque tu seras dans un lieu de secret, dans un lieu d'intimité. C'est parce que dans l'intimité que Dieu se révèle. Dieu s'est révélé avec Élie dans l'intimité avant qu'il aille invoquer le feu. Amen. Amen. Nous devons cultiver notre fraîcheur spirituelle. Gloire à Dieu, c'est important. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Septième caractère à développer, veiller à sa vie de famille. Veiller à sa vie de famille. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible dit que celui qui prend soin des siens, celui qui ne prend pas soin des siens est plus qu'un infidèle. Veillez à sa vie de famille. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée 5 verset 8. Veillez à sa vie de famille. Personne à part Adam. Bon, Adam était déjà membre d'une famille parce que c'est Dieu qui a dit faisons l'homme à notre image. Donc même Adam, personne sur la terre est venu sans famille. Bon, s'il y a quelqu'un ici qui est sans famille, j'ai besoin de lui. Il y a quelqu'un? Ok, gloire à Dieu. Donc, vous savez, tous ici, nous sommes membres d'une famille. Ou soit nous avons fondé une famille. Amen. Alors, nous avons aussi besoin de prendre soin de nos familles, de nos siens. Nous avons 2 types de familles aujourd'hui. Nous avons la famille en Christ et nous avons la famille physique. Alléluia. Amen. Aujourd'hui,
Lorsque tu es né dans une famille. Tu es appelé à prendre soin de cette famille. Mais quand tu rencontres Christ, tu es encore né de nouveau. Et tu fais partie d'une nouvelle famille qu'on appelle la famille de Dieu. Et donc, dans ces deux dimensions, nous sommes appelés à prendre soin des membres de notre famille. Tu es père de famille, tu es papa, tu as une famille. Ce n'est pas le fait de pouvoir que tu es missionnaire, tu es par-ci, par-là, comme un chien, un singe, d'arbre en arbre, mais tu as aussi une famille. Ce n'est pas parce que Dieu te parle de la mission, bon, tu négliges la vie de famille. La Bible dit que chaque chose a son temps. Amen. Tu as une famille, bien-aimé dans la foi. Ce n'est pas parce que ta tante est mauvaise. Ce n'est pas parce que ta tante est sorcière, on te l'a dit et tu commences à la négliger. Non, tu dois exprimer l'amour à l'égard de cette personne. Tu es marié en ces lieux, tu as une famille, même si tu es un responsable. Tu dois avoir le temps d'être avec ton épouse, avec tes enfants. Parce qu'ils ont besoin de toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Tu es un mari, tu as une femme dans la maison. Ce n'est pas une sœur en Christ. Ce n'est pas ta cousine. Ce n'est pas ta parente. Elle n'est pas venue là pour pouvoir te voir. C'est ta femme. Elle a besoin de la tendresse, elle a besoin de toi, elle a besoin de toi dans tout. Et si toi tu ne le fais pas, qui le fera? Personne. Alléluia, tu vas ouvrir la porte et le voisin va le faire. Et quand le voisin va faire, tu vas créer le divorce. Après tu vas commencer à chasser les démons. Là, il ne faut pas chasser les démons. Là, ce n'est pas une histoire de démons. Alléluia. C'est une histoire de ta responsabilité. Tu dois prendre le temps d'être avec ta femme, la chérie. Prends le temps. Amen. Alléluia, prends le temps, reste avec ta femme, chouchou, fais tout ce que tu veux, c'est ta femme. Alléluia, ah, peut-être tu ne m'as pas encore saisi. C'est ta femme, prends soin d'elle, physiquement, un. Alléluia, dans tous les domaines, elle doit être satisfaite. Si ça ne marche pas, prie Dieu, c'est ta responsabilité. Sans ça, elle va aller dehors. Hein. Surtout ici, il y a tellement de raisons. Oh non, je m'ennuie. Oh non, oh non, oh non. Non! La Bible dit que nous devons veiller. Donc, veille aussi pour ta maison. La femme aussi, ce n'est pas ton grand frère. Oh non, yaya. Non! Oh pasteur, le pasteur, ça là, c'est ton chéri. C'est pas ici que tu sois de pasteur. Je suis ton mari. Prends soin de ton mari. Mais c'est vrai que j'ai la gloire de Dieu, j'ai l'onction, je suis pasteur. Mais entre temps, je suis d'abord. Ah, c'est ça. Amen. Alléluia. C'est ton mari. Il a besoin de la tendresse. Donc aujourd'hui, le fait qu'on a accepté Christ, les mamans, surtout les sœurs, deviennent capricieuses. Amen. Bah, c'est dit, bon, comme c'est un chrétien, il va pas me dire, il va rien faire. Mais oui, c'est là où on voit beaucoup de divorces. Keba. Alléluia. La Bible dit, la femme sage, dans Proverbe 31, tout, vous verrez tout le Proverbe 31 dit, elle fait du bien à son mari tous les jours. Amen. Donc, toujours du bien. Le mari aussi fait un petit cadeau, passe même par Barbex, même un cadeau d'un euro. Amen. Même un petit cadeau, même des boucles d'oreilles de 0 centime. Amen. Tu viens à la maison, tu déposes. Tu dis, ah chérie, je suis passé, j'ai pensé à toi. Bon, elle ne va pas regarder la valeur que tu as achetée, mais ce qui intéresse à la femme, c'est le geste que tu auras posé. Amen. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Prends soin de ta maison. Prends soin de ta femme. Bah maintenant, nous, comme on a commencé à prier, on commence à voir papa est devenu diable, le serpent. On commence à chasser nos parents de la maison. On commence à voir les démons partout. Non! Là, il n'y a pas des histoires de démons. Tu es missionnaire, prends ta responsabilité. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Amen. Tu commences à rabouiller ton père comme s'il était... Tu sais ce qu'il a souffert pour toi? Tu sais ce que ta mère a fait pour toi? À l'hôpital, toi, tu étais là. Oh. Ça, c'est terrible, ça. Tu ramasses, tu penses quoi? Hein, tu as fait quoi de moi? Hein? Non, c'est ta mère. Minimum de respect. Amen.
Parle avec respect. C'est là où on va reconnaître que l'enfant là, oui, oui, il y a eu transformation de vie. Mais comme tu n'as pas de transformation de vie, tu vas commencer à... tu penses quoi? Moi, j'ai 18 ans, j'ai aussi ma valeur. Hein? Hein? Non! Tu veux vivre longtemps? Prends soin de tes siens. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te fortifie. Huitième caractère à voir, à développer. Nous allons bientôt finir. Témoigner régulièrement sa foi personnelle. Témoigner régulièrement sa foi personnelle. Nous sommes appelés à témoigner régulièrement notre foi personnelle. Actes des Apôtres 1, verset 8. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Nombreux n'ont pas le temps de témoigner leur propre témoignage, leur propre foi, régulièrement, journalièrement. Il y a certains moments où on va à l'évangélisation, ou avec des amis, ils ne vont pas croire parce que tu vas leur dire, non, Abraham, Jésus, Paul, oui, ils peuvent croire ou ne pas croire. Mais il y avait une femme, le jour qu'elle a rencontré Christ, elle n'avait pas autre chose, elle n'avait pas l'évangile, elle a parlé de sa foi. Elle s'appelle la femme samaritaine. Amen. Elle est allée dans la ville, elle dit, j'ai vu un homme. Toi aussi, prends seulement le temps, va dire, j'ai vu un homme. Moi, j'étais ceci, j'étais branché. J'étais... Donc, à notre époque, on appelait les branchés, les jeunes. Vous voyez, non? Chez nous, en Afrique, en 97, c'était les Lascars, avant que j'accepte Christ. Donc, on avait, bon, pour certains Congolais ici, ils connaissent, hein? On avait des jeans jusqu'ici, là. Et donc, on marchait comme ça, là. Vous voyez, non? Donc, on avait des trucs bizarres. Bon, chez nous, maintenant, aujourd'hui, on les appelle les Lascars. Bon, c'est la mode, hein? Suivez. Donc, mais cette vie-là, on était dans les boîtes de nuit, pour draguer les filles, on pouvait se battre pour rien, rien. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a délivré de là. J'ai toujours pris le temps de parler de mon témoignage. Parce qu'il n'y a plus rien de plus grand que ce que Christ a d'abord fait dans ta vie. Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Prends le temps de témoigner ce que Christ a fait dans ta vie. Il y a des femmes, il y a des hommes qui étaient bouleversés tous les jours, qui n'arrivaient pas à dormir. Mais le jour qu'il a accepté Christ, commence à dormir en paix. Tu n'as pas autre chose. Parle de ça. Parle de ta foi. Peut-être j'étais dans l'occultisme. J'ai abandonné ça. Et le Seigneur a délivré. Parle de ce que Christ a fait dans ta vie. Et lorsque nous allons nous mettre à témoigner ce que Christ a fait, nous aurons plus de place. Tous les jours. Amen. Prends le temps de parler de ce que Christ a fait dans ta vie. Neuvième moment, entretenir la compassion pour les pauvres. Nous pouvons prendre 1 Corinthiens chapitre 6, 16, 1 Corinthiens 16, de 3 à 4. 1 Corinthiens 16, de 3 à 4. Actes des Apôtres 11. Entretenir la compassion pour les pauvres. 1 Corinthiens 16, de 3 à 4. Actes des Apôtres 11. 11, verset 27 au verset 30. Et Galates 2, verset 10. Je reprends 1 Corinthiens chapitre 16, verset 3 à 7. Actes des Apôtres 11, 27 et 30. Galates 2, verset 10. Amen. Entretenir la compassion pour les pauvres. Aujourd'hui, l'Église devait être la réponse de l'humanité. La réponse... La Bible dit que le monde entier attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Même au niveau des pauvres, nous devons prendre soin des pauvres. Pas seulement à l'église. C'est vrai, ça, on le fait bien. Très bien même. Il y a des pauvres, des veuves à l'église, on l'organise, on prend soin d'eux. Mais Dieu ne nous attend pas seulement là. Dieu nous attend à élargir notre espace de notre tente. Même à l'extérieur, il y a des pauvres. Même à l'extérieur de nos maisons, il y a des gens. Il arrive même parfois que nous, chez toi, on mange. À côté de chez toi seulement, ton voisin n'a pas pu manger. Mais toi, tu prends la nourriture, tu jettes même à la poubelle. Mais à côté de toi, comment veux-tu représenter le royaume de Dieu si tu n'exprimes pas la compassion pour les pauvres? Sois ce bon samaritain qui peut s'arrêter malgré le sacrificateur est passé. Ce n'était pas son membre de famille, mais il s'est arrêté pour prendre soin de cette personne qui est en difficulté. Le Seigneur a fait grâce, comme l'a dit l'homme de Dieu. Nous avons fait une croisade il y a 3 mois, en septembre. On était dans une ville chez nous au pays, au Congo, en Kayi. Nous avons scolarisé 500 enfants.
Ce n'est pas... Et après cela, vous pouvez même aller sur Facebook, sur Mission Impact, vous verrez les photos. Nous sommes allés à l'hôpital, nous avons vu qu'il n'y avait pas de moustiquaires pour les malades. Ils étaient exposés aux moustiques. Nous avons doté l'hôpital de 50 moustiquaires imprégnés. Mais avec, ce n'est pas l'organisation des États-Unis qui nous a donné cet argent. Ce n'est pas l'État. Même l'État n'arrive pas à le faire. Ils ont l'argent, mais ils ne le font pas. Mais nous, nous n'avons rien. Mais avec le peu que nous pouvons, nous posons des actes pour que l'État reconnaisse la gloire de Dieu dans l'Église. Amen. Comment ces autorités vont fléchir les genoux auprès de vous, à ce Dieu-là que vous adorez, et si vous êtes incapable de poser des actes qui dépassent la gloire de Dieu par rapport à ce que vous avez? Mais le contraire, aujourd'hui, nous courons derrière les hommes politiques pour faire des actions. Mais toi et moi, nous pouvons nous lever pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin des hommes et des femmes qui sont en difficulté. Amen. Amen. C'est très important. Et enfin, dixième, c'est rester attaché à la grande mission. Amen. Amen. Rester attaché à la grande mission. C'est un caractère que nous devons avoir tous les jours. Rester attaché à la grande mission. Matthieu 28, verset 19. Quand je fais allusion à la grande mission, je fais allusion à deux choses. Premièrement, nous ne devons pas perdre de vue l'évangélisation. Quand on parle de la mission, on parle de l'évangélisation. Après l'évangélisation, on parle de l'enseignement. Après l'enseignement, on parle d'établissement des églises. Nous ne devons pas perdre en vue cette grande mission. Paul évangélisait. À part seulement ça, il restait dans les localités pour enseigner. Après l'enseignement, il implantait des églises locales. Amen. Amen. Quelqu'un me saisit? Amen. Il est temps. Ne perdons pas de vue. Restons attachés à la grande mission. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il est temps de se lever. Pas seulement prêcher l'évangile, mais former aussi les disciples. Après avoir formé les disciples, on établit les églises. Mais après ça, quelle est encore la grande mission? C'est toujours se préparer au retour de Jésus. On ne sait ni l'heure, ni le jour où il viendra. Quand on parle de la grande mission, je fais toujours cette grande mission. Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, où irai-je? Après avoir fait tout ce que j'ai fait sur la terre. Il faut toujours se remettre en cause, tous les jours. Parce que Christ peut venir à n'importe quel moment où la mort peut nous surprendre. Jésus revient bientôt. Il est temps de prendre conscience. Il y a certains, le mariage c'est une priorité. Il y a d'autres, c'est le travail. Il y a d'autres, les parents. Il y a d'autres, son mari. Mais j'aimerais te dire, avant tes priorités, tu as deux priorités. D'abord la mission, l'enlèvement, après vient le reste. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ce que j'avais à vous dire. Nous pouvons nous lever, nous allons prier ensemble. Que Dieu nous aide. Si j'avais été autant de pierre, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurais-je renié aussi trois fois, juste par crainte des hommes? Je ne sais pas, non, je ne sais pas, si j'avais été autant